Du matériel militaire de dernière génération pour renforcer la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Composés essentiellement de drones, ces nouvelles acquisitions sont le fruit des diverses contributions des Burkinabés à l'effort de guerre. Des Bayraktar TB2 et des Bayraktar Akinji, des vecteurs aériens turcs dont la performance n'est plus à démontrer, selon le chef de l'État. Ils ont été testés avant la remise officielle au ministre en charge de la Défense. Ces nouveaux équipements viennent témoigner des solides relations de coopération entre Ouagadougou et Ankara. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la coopération avec la Turquie se porte très bien. Se porte très bien et c'est l'occasion de remercier donc son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, qui a su donc conduire donc cette coopération comme il le fallait. On le remercie pour tout le soutien qu'il a pu apporter au Burkina Faso pendant cette phase importante de notre histoire dans cette guerre contre le terrorisme. Ce genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère. Donc ce sont des appareils très performants, fiables, que nous avons actuellement. L'acquisition de ce matériel militaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'équipement des forces armées nationales. La douzaine de drones de combat remis ce 8 avril sera utilisée à bon escient, rassure le ministre en charge de la Défense. Nous avons une multitude d'engins de ce genre actuellement même dans le ciel, qui scrutent, qui recherchent au besoin retrouver et détruire tout ennemi. Nous prions de que nous puissions continuer de bénéficier de ces conseils, de ces équipements pour le meilleur possible de l'ensemble des combattants qui sont engagés pour la pacification et la reconquête du territoire national. Avant l'acquisition de ces vecteurs aériens, l'armée burkinabé s'était dotée en janvier 2024 de matériel roulant, d'armes de combat et de munitions. De nouveaux équipements qui ouvrent une nouvelle phase dans la guerre contre les forces du Mali. D'autres équipements sont attendus dans les prochains mois, selon Kassoum Koulibaly.